donc Solène Grand-Cyr et je suis rentrée dans l'entreprise familiale et aujourd'hui je suis attachée de direction chez OEM Développement. Je suis la génération numéro 2. Alors je suis Henri de Vorcine, je suis depuis maintenant un an co-gérant du cabinet de Vorcine avec deux de mes frères qui ont suivi aussi cette formation. Alors, on est la quatrième génération du cabinet. Je m'appelle Émilie Giffard, je travaille pour l'entreprise familiale du même nom Giffard, des liqueurs et spiritueux basés à Angers, en Maine-et-Loire. J'ai rejoint l'entreprise il y a 2 ans et demi et aujourd'hui, j'occupe un second poste en tant que directrice de la stratégie de marque et des projets innovants. Je fais partie de la cinquième génération de l'entreprise familiale et pour projet de la reprendre avec mon cousin qui également fait partie de la cinquième génération. J'ai choisi la formation Audencia car je souhaitais me former m'accompagner dans ce process de reprise d'entreprise familiale pour me sentir plus confiante et pour également échanger avec d'autres personnes. Alors tout simplement parce que ça a été un peu un revirement dans ma vie professionnelle. À la base, je ne travaillais pas du tout dans le domaine de l'entreprise que je m'apprête à reprendre. Donc j'avais aussi besoin peut-être d'être rassurée, de prendre confiance en moi pour pouvoir mieux me projeter. Et c'est vraiment ce que je recherchais dans cette formation. Cette formation, je ne la connaissais pas. C'est mes deux frères associés qui ont suivi cette formation. Un a été sur la première promotion, l'autre sur la troisième et puis moi sur la septième, il me semble. Donc c'est eux qui me l'ont présenté. Elle m'a apporté quelques réponses et quelques questions aussi sur ce positionnement vis-à-vis de mes frères qui sont aussi mes associés. Elle m'a apporté déjà de la confiance, permis de confronter des problématiques à d'autres personnes de la formation et vraiment ce réseau de personnes qui sont dans des situations similaires avec qui échanger. Beaucoup d'outils qui nous permettent de mettre les choses en pratique au quotidien. Et ensuite, je penserais aussi, on a tendance à peut-être se sentir seul aussi quand on pense à devenir dirigeant. Donc c'est un peu ça aussi qui pouvait m'effrayer. Et donc le but, c'était aussi de rencontrer d'autres personnes, et de pouvoir échanger et partager avec eux. Elle m'a permis aussi de prendre du recul sur ma situation actuelle. C'est-à-dire que parfois, on est quand même beaucoup dans l'opérationnel, on est dans un tunnel, on ne prend pas forcément le temps de prendre le recul sur nous-mêmes et sur l'entreprise. Et ça m'a permis de prendre ce recul-là plusieurs fois par mois. Ne pas hésiter. C'est vraiment une formation très enrichissante et qui permet de partir sur des bonnes bases dans le projet de reprise d'entreprise familiale. Prendre du recul sur leur situation actuelle et rencontrer des personnes qui ont les mêmes problématiques qu'eux au quotidien. Alors, le conseil que je dirais, c'est lancez-vous. Voilà, on ne peut pas savoir tant qu'on n'a pas fait. Donc finalement, il faut toujours essayer avant de dire non. Le Club Alain Nantais, c'est une association sans être une association, en tout cas un regroupement de l'ensemble des promotions d'Audencia dans le but de continuer à faire vivre l'état d'esprit qu'on arrive à créer dans une promotion, continuer à faire vivre ces belles rencontres qu'on a eues, qui est presque la clé de voûte de la formation Audencia. Essayons de transcender les promotions et de faire en sorte que toutes les promotions se réunissent. Aujourd'hui, on est avec la 7e promotion qui est derrière nous et on les intègre dans le prochain Cannes. Et le Cannes, c'est Club Alain Nantais, pardon. Mais l'idée, c'est juste de se retrouver. Ceux qui ont besoin de parler, on les écoute. Ceux qui ont juste envie d'être là sont là. Et voilà, faire vivre ces rencontres et continuer à créer notre premier réseau. Si j'avais su, j'aurais bu 3 verres avant de venir. Donnez-moi des verres. Non, ça enregistre en plus, faut que j'arrête de dire des bêtises.